Nous connaissons manger guette matin, mesdames et messieurs, pour le cas parler avec chef gang criminel qui est le barbecue. Qui a dirigé Vivre Ensemble, qui regroupe toute gang qui est dans le pays en dedans. Qui a fait des ordres depuis quelques temps, il y a un cocodai avec l'ambassade américaine, il y a un cocodai avec les politiciens, il y a un cocodai avec le premier ministre, il y a un ministre. Qui donc, tout le pays a connecté avec les gens qui sont illégalement, qui a créé panique, qui a créé des ordres, qui a massacré, qui a crucifié le monde depuis quelques temps. Ils ont fait kidnapping, ils ont fait tout le bagage, ils ont violé les petits mondes, ils ont violé les grands mondes, ils ont violé les garçons, ils ont violé tout ça, ils ont fait l'obéi. Et bien, je veux dire, là, nous connaissons, monsieur, et bien, qui a fait une petite historicité pour barbecue, pour faire ce qu'on est très bientôt, barbecue, ils ont pris tout le monde qui a blanc à utiliser, et bien, blanc pour le fini avec eux, puis devant. Parce que je veux dire, là, nous, barbecue, qui tellement parlé, le déparlé, et bien, monsieur, révélé un paquet de secrets, le cap, il était doué, t'es qu'aimé. Nous comprenons. Ça veut dire que monsieur ne doit pas parler, bagaille ça, yo. Et bien, je veux dire, monsieur tellement fait live TikTok, et bien, le parler, le déparler, monsieur, clair. Nous se dit que eh ben lui même lui viré dans machine ambassade américaine côté eh ben t'a pralé dans ambassade américaine avec plusieurs blancs. Là il dit machine ambassade américaine c'est machine diplomatique yo. Eh ben bon policier qui ouais monsieur policier a saisi policier a gratté tête parce qu'il pas ta comprendre pour blanc de la chercher nèg ça yo et puis journaliste la Kaili a vienne faire interview avec elle et puis monsieur dans machine diplomatique mesdames et messieurs pral rentrer dans ambassade américaine. Et mais je dis là, barbecue qui fait connait que il gagne un passeport américain qui pas gagne notre Jimmy Chérissi. Et ben nous connaissons il y a plusieurs et ben exemple là qui montre clair barbecue monsieur pral mouri parce que l'est arrivé parce que avant nous pas t'entendre monsieur a mis causer ça au dehors et je dis et ben barbecue tellement parlé monsieur déparlé et monsieur mette gros secret ça au dehors là qui pral faire. Et ambassadeur américain fait gros déclaration pour faire connait que eh ben yo kon et en communication à gang yo surtout les nèg yo a fait des blousailles. Eh ben je dis à la mine qui ça nous prend mesdames et messieurs même moun nous a mandé l'aide pour aider à question insécurité à c'est eux même qui camper derrière c'est pas nous qui dit. Eh ben nous connait là monsieur pas les causer parce que gagne gros menace qui fait en sous journaliste et un peu le journaliste dans le pays, le Kodesi et Zahu, avec Dimes Lot qui n'ont pas cité, mais le Kodesi, monsieur dédoublé là, et monsieur mettez causé à terre, chef gang barbecue, l'est arrivé, monsieur pral, et ben, passé, même j'ai avec divers, l'autre gros nec qui était qu'on a fait des autres dans le pays, blanc tap utilisé après, et ben, blanc, vous, nec, ça, en côté, pour machine pas frapper. On écoute pour plus de détails, n'a pas tout. Malheureusement, mec, ici, y'a des mémoires coupées matin à toutes. Et matin, on va parler avec monsieur Gangyo. À M. Gangyo. Ok? Et plus précisément, donc, à barbecue. On boucle ça parce que c'est barbecue, il met un projecteur sur lui. Il c'est un superstar pour Haïti là, dans le moment. Parce que la presse internationale a parlé de barbecue. Claire? Mais que moi, que le bachoute, moi, que le bachoute, c'est un lycée étranger qui a parlé de lui comme gang, comme chef de gang, bah, on ça. Ok, tout vieux sur YouTube là. Tout journaliste étranger a traité de gang. Et puis c'est journaliste haïtien qui l'a pas attaqué. Bon, mais ouais, mais Louko, écoutez, non, Louko, alors, écoutez, écoutez, Louko, écoutez. Ça me devait pas. Louko, écoutez. C'est normal. Parce que presse étranger, leur vini, il y a la Kali. Il y a la Kali Samdou. Ils comprennent parce que barbecue, je ne vais pas dire politique, mais il y a un peu politique. Barbecue est un peu politique, ou bien pour ne pas dire politique. Donc, et les messieurs là, Kali, en tout cas, où est-ce que dit ça pour dire, mais ou pas connaître ça, vous dites avec qui parle dans le micro. Très bien, correct. Alors, ça peut qu'on ait, je veux dire. Je ne sais pas qui problème le gars avec journaliste et à Louko Désir, à Isa. Je ne sais pas qui problème le gars. Mais je veux dire, même si c'était que M. Gangyo, il faut faire un petit coup d'œil sur ce qui est passé dans l'histoire pays. Et m'a dit au matin, si y a mené bataille, mené bataille là, peut-être pas. Nous sommes grand monde, nous sommes chefs, nous sommes autorités, mené bataille là, peut-être pas. Comme nous avons un slogan, c'est une révolution. Mais jusqu'à présent, pas personne qui dit c'est une révolution pas noyée. Parce que une révolution, il veut dire ça, il veut dire,
et à le dictionnaire, on peut ça, mot révolution, on veut dire. Ok? Donc, si on a mené au bataille, monsieur, mené pour tête, pas nous. Pas mené pour blanc. Pas mené pour blanc, non, monsieur. Et surtout pas mené pour les Américains. Je vous dis, ah, c'est vrai, barbecue, son gros superstar. Télévision à gauche, télévision à droite, bon, même pasteur, moi, qui viens à prier avec barbecue. Pasteur débarqué là, pasteur américain, débarqué à la prière avec barbecue. Vous avez dit que, je dis à nous, important pour l'international. Et si Solino, je dis à demander la communauté internationale intervenue, c'est parce que Solino, moun Solino comprenne que nous, ça nous est là, c'est international là qui mette nous là-dedans. C'est international là qui mette nous là-dedans. Monsieur Chris, tu l'as appelé, Bougoy, barbecue, l'homme sans jour, vite l'homme, Jeff Canaan. Monsieur, faut-il garder l'histoire pays? En 1991, bon monsieur qui était relé Michel François, Jean-Baptiste Aristide fait fin grand pouvoir. Angèle Louvre, en fait, t'es une unité qui était relé Angèle Louvre, ben, t'es dans toute l'armée. Ouais. T'es dans le palais. Que unité ça t'a été. Donc ça veut dire que toute gros âme la meilleure, c'était unité ça qui t'a été contrôlé. Là, ici de monter président, pas bien, il barbecue. Là, ici de monter président, il tellement senti menacé avec trop d'âmes, il dit que, ah, il n'y a pas d'homme dans le palais, parce qu'il y a trop d'âmes dans le palais. J'aimerais ici demander, puis déplacer une unité après le mettre dans l'académie. Parce que c'est unité ça que tu vas faire coup d'état, mon cher. C'est la bonne, c'est la armée. Ah ben. Eh bien, comment je trouve le colonel Michel François? Monsieur était responsable en Jean-Loup. Et puis, monsieur fait un coup d'état. C'est Michel François qui fait coup d'état. Mais comme Michel François, c'est un colonel, il était comme l'armée, il était comme général, qui était sous tête, qui était le général Cédras. Maintenant, CIA. Pour te faire coup de tag et plus point, le fait général Cédras consommer coup d'état, mettez coup d'état sous dol. Cédras maintenant fait coup d'état. Parce que général Cédras, tu es en de très bons termes avec le président Jean-Baptiste Aristide. Général Cédras, tu es très loyal, le Jean-Baptiste Aristide monté comme président. Ce n'est pas général Cédras qui fait coup d'état, c'est Michel François qui fait coup d'état. Si aille, après 1990, Jean-Président Aristide vient arriver au pouvoir. S'il n'y avait pas de contrôle au président Aristide, parce qu'il était un discours anti-impérialiste, nous avons tout dit ce que Jean-Baptiste Aristide là. S'il y avait orchestré coup d'État, puis qu'il a ramené Jean-Baptiste Aristide à l'ordre, puis qu'il a retourné avec l'an 94, pour être capable de jouer ça a été besoin, hein, que de fait, je dis à que rien. Pour nous connaître soit pays, Babikou, pour nous connaître soit pays. Maintenant, il faut que Jean-Baptiste Aristide comme général de l'armée, endosse coup d'état pour coup d'état capable chita. Ok? C'est l'ESA. Après appel ça, général Cédras vient camper en grand monde comme général, il a endossé coup d'état. Et puis Michel François est là. Et pas oublié, au coup d'état en 91, dans le mitan l'armée, tellement de problèmes avec la valance, c'est pas comme ça avec la meilleure. Puis, François, il a demandé de exécuter Jean-Baptiste Aristide. Même Aristide Depéry, Aristide, qu'on n'a pas l'exécuter lui. Pas bien plaisant, il est bien, non? Ah oui. Léo prend Aristide, il a mené le palais. C'est bien, se dit, monsieur, c'est moi qui suis le président maintenant. Ok? Aristide. Jusqu'à minute, c'est bien dire ça, il pensait qu'il perdit le pouvoir et que le bal mourit, il n'a pas tourné encore. Mais si il a été bail l'ordre à Cédras, pour dire général Cédras, partouillez Jean-Baptiste Aristide. Voyez Jean-Baptiste Aristide Bali. Eh bien, il a été Aristide dans l'avion, mené le Caracas, de Caracas, il est monté à Washington. Et c'est Washington qui va le mener à corps gouverneur et gouverneur Allen. Quand ils décident d'assister dans nos chambres, Aristide dans notre chambre, ils ne peuvent pas rencontrer. Et puis, la valeur, c'est tout gagotte dans le pays.
l'agent télécois dans l'Amérique Sud pendant Washington l'a géré l'agent télécois. Gagote, la balance fait gagote. Pendant que Haïti a deux administrations. Il y en a Haïti, il y en a Washington. Alors c'est un gars qui est sur les gangs. Donc qu'est-ce qui s'est passé barbecue? Barbecue en 1991. Le général Cédras pour pouvoir. Pour être capable de faire 3 ans dans le pouvoir. Plus pour être capable. Bah blanc, ça, Américain t'a besoin. Américain t'a besoin de craser l'armée. Hein? Américain t'a besoin de venir avec. Ministre, c'est pas ministre, comment le dire encore? C'est pas ministre. Ministre. Vous êtes venu avec parce que 20 000 hommes, 15 à 20 000 hommes. Casque bleu qui est venu là. Nous avons tout d'image. De mettre des bottes sous coups militaires haïtiens, sous policiers haïtiens, marrés au concrabe. Parce que blanc t'es besoin, ça c'est blanc t'es besoin, États-Unis t'es besoin, il est là avec Haïti. Eh bien, en 1991, barbecue. En 1991, Chrysler. En 1991, Tilapli. En 1991, ISO. En 1991, Vite l'homme innocent. En 1991, Le mensonge joue. En 1991, Jeff Canaan. Ça t'est passé. C'est Dras mettait sous pied pour CIA frappe avec à la tête qui est cité Toto Constant, Emmanuel Toto Constant. Eh bien, c'est CIA oui, qui te mettait frappe sous pied. Même si on est aujourd'hui, c'est CIA qui mettait nous là. Même si on est aujourd'hui, là, c'est Américain qui tolère nous là. Parce que si Américain ne veut nous là, nous pas là déjà. Ok? Donc frappe Toto Constant. Tenez bien, monsieur. Babé, écoutez bien. Soit goumé pour tête pas haut. Donc, monsieur, si vous goumé pour tête pas, nous pas goumé pour blanc. Bon, si c'est si ça, ça m'a dit à la barbecue qui vous fait que vous dites, portez le corps, bon, mais pas de problème, bon, mais vous cherchez, vous qui avez le corps. Mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Américain finit d'utiliser Toto Constant, même maintenant, tout. Ok? Il est retourné dans le pays en 94 avec Jean-Pierre Aristide. Il a crassé l'armée qui était dans l'agenda. Il est venu avec les troupes des Nations Unies. Il a pris le pays. Il a volé tout le monde qui est dans le pays. Il a fouillé tout le monde dans le pays. Il est allé. Et puis après, barbecue. Toto Constant à la prison des États-Unis. Il est venu passer la prison des États-Unis. Qu'on y a mis la pourrie là. Dans la prison qu'on arrive. Donc, monsieur, c'est pour vous, mais peut-être non. Même si je dis à Blanc, vous la CAO, CNN, la voie France 24, la voie tout cas était mon net. Je dois penser qu'on c'est superstar, grand superstar, parce que l'ambassade américaine après l'eau, ou c'est grand superstar. Mais pas oublier, frère. Il y a besoin de dire, il y a travail, il y a servi avec vous. Mais puis, il faut aller pour eux. Il faut le prendre, il faut le mettre, il faut le servir avant tant que c'est papier hygiénique. Ton constant, il va détravailler, il va faire pour américain. De 91 à 94. Et puis, il a fini de Gisèle. Il a foutu le prison aux États-Unis. Il a fait plusieurs années de prison aux États-Unis. Après ça, il a pimpé dans l'avion. Il a déporté en Haïti. Rivé. Il a foutu le prison dans le pénitencier. De pénitencier, vous voyez, actuellement là. OK? C'est pour la pencher au naïf. Songez ça, monsieur. Papa, il y a un exemple qui est pibré là. Guy Philippe. En 2003, mener bataille pour blanc. Il mener bataille pour blanc. Pour la France avec les États-Unis. Il peut chambler, il peut pas gagner l'autre monde. Eh bien, Guy Philippe Gourmet, en 2003-2004, là, il vient de vous parler, ça, on dit, monsieur, non, et place ou pas là, ou fin de travail. Il a fait un candidat à la présidence. Eh bien, qui s'est passé? Et même blanc, ça, oui, blanc, que le travail pour vous, qui prennent foutu dans la prison aux États-Unis. Le condamné là, 9 ans, fait 6 ans en prison, il tourne là. Les mecs qui ont mouna, le peuple a comme avec la fébrile dans Gredos, après ça, qui va encore faire bruit encore. Donc, monsieur, à faire attaque journaliste, c'est pas ça que solution. Pas journaliste qui problème, non. Comme moi, je connais tout. Attaque que nous faisons sur journaliste, c'est pas nous-mêmes qui faisons.
C'est boss nous qui mandait nous pour attaquer Lugodizi. C'est boss nous qui mandait pour attaquer Juna et Zaire César. C'est boss nous qui mandait pour attaquer Guerri Dieu seul. C'est boss nous qui mandait pour attaquer Johnny Ferdinand. Même si là on va parler, mais on va parler moi-même Lugodizi. Mais c'est dommage que je dis, hein, vraiment c'est dommage. Et moi-même Lugodizi m'a pas menti. C'est politique qui mettait vite l'homme dans sa lié là. Vite l'homme dans ce matin pendant à faire voler ni à faire kidnapping. Et politique. Vite. Elle a un bon papier pour vous. Quelqu'un qui a un petit problème, mais ça n'a pas besoin, comme si ça n'a pas mettre monsieur dans la situation où il a mis étiquette de bandit sous l'eau. C'est politique qui vient mettre vite l'homme là. Ouais, c'est ça. On est un coup. Attendez, Jeff Canan, ça peut dire Jeff Canan là. Jeff Canan, c'est une ville là, la Tibonite, pas elle, une Saint-Macoui. Eh bien, politique. Il mettait Jeff Canan là. Je ne vais pas parler des autres qui l'ont appris sur le bagage. Mais c'est dommage que M. Jean, nous ne sommes pas des garçons. Mais que pays a perdu. Il a dit perdu. C'est vrai qu'on a fait comme nous. Poste de péage à gauche, parce que ce n'est pas un État. On a goûté avec la police, puis le policier mouru. On a volé à la boucherie au paquet des garçons. Nous recrutons des jeunes, nous recrutons. Nous mettons devant comme des chiens. Et puis c'est eux-mêmes que la police a touillé. Et la police n'est pas capable de trouver. Quel que soit l'âge, de vous vous amenez, vous menacez la police. Ou quand vous trouvez les policiers. Thomas, c'est ce qui s'est passé. Monsieur, peut-être nous. Nous sommes jeunes garçons dans le pays, pas qu'il y ait des blancs utilisés. Parce que l'histoire du pays, ça qui passe déjà. C'est deux exemples que nous prenons pour nous. Il y a plusieurs autres exemples encore. Oui. Il a fait nous faire un job sale là. De matin, il parle serve avec nous, donc c'est papier chimique. Il n'y a pas raison encore. Il a foutu la prison. Il y a quand même tout et nous. Donc tu n'as pas battu, monsieur, bataille pour tête, pas nous. Comme nous, on fait, nous comparer de révolution, qui ça. Pas une monde révolution, non. On ne peut pas faire révolution, il y a un vol, c'est dans tout le monde, c'est dans le kidnapping, et puis révolution, qui ça. Et puis, kidnapping, dans vol, et tu m'as l'air à terre, vol encore. Et puis, élément de la classe moyenne, qui même dans la même classe, c'est va kidnapper. C'est le goût de soupe, c'est kidnapper. C'est ça, c'est ça, c'est kidnapper. Des questions de la voie, oui. La question d'avoir, c'est eux-mêmes qui ont besoin de kidnapper. C'est eux-mêmes qui ont besoin de kidnapper.